Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo que j'ai déjà faite mais je la recommence en plus pro et beaucoup plus belle à regarder. Je sais pas si ma phrase était française. Donc désolée si je suis très blanche à la caméra. Il y a la véranda juste à côté de moi, donc je suis à la lumière du jour. Quoi qu'il est 16h21. Donc aujourd'hui je viens vous parler de ma boutique en ligne sur Etsy. Donc le nom de ma boutique s'appelle Youidols Boutique, rien de compliqué, hein, c'est super simple. Ou sur ma boutique Etsy, donc je vais vous mettre le lien de ma boutique en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien si vous êtes intéressé pour m'acheter des produits. Donc en fait, ce que vous allez retrouver sur ma boutique, il n'y aura que ça et uniquement que ça. Ce sont des yeux sans pupille que je vends en 13 mm. J'ai énormément de coloris, il y en aura bientôt d'autres au fur et à mesure du temps sur ma boutique, donc ne vous inquiétez pas. Donc le mode de paiement que j'ai sélectionné pour que vous m'achetez sur ma boutique, c'est virement bancaire. Je n'accepte pas PayPal. Alors PayPal, pour ma part, moi ça m'énerve, je ne vais jamais utiliser PayPal pour qu'on m'achète quelque chose. Je tiens à dire pour ceux et celles qui utilisent PayPal et auxquels les gens ne veulent pas m'acheter mes yeux parce qu'il n'y a pas PayPal. Alors je tiens à préciser que virement bancaire c'est comme PayPal. La seule différence c'est que virement bancaire, l'argent atterrit sur mon compte bancaire à moi, alors que PayPal, l'argent que vous recevez va sur un compte dans PayPal, et une fois que l'argent est sur votre compte PayPal, l'argent qui est sur votre compte PayPal, il faut le transférer, oui, sur votre compte bancaire. Donc certes, PayPal c'est sécurisé, je dis pas le contraire, mais PayPal ça attire aussi beaucoup d'ennuis, que ça soit par rapport aux litiges, etc. Donc c'est pour ça que je ne sélectionne pas PayPal comme mode de paiement. Donc ne vous inquiétez pas, virement bancaire c'est aussi sûr que PayPal. Donc je comprends pas les gens qui veulent pas payer par virement bancaire, parce qu'au final c'est comme PayPal en fait, à deux détails près. Donc voilà pour le mode de paiement que j'ai sélectionné. J'envoie 1 à 2 jours après que j'ai reçu l'argent. Pour ceux qui ne veulent pas commander sur ma boutique parce que j'ai sélectionné le mode de paiement virement bancaire, ce que vous pouvez faire, contactez-moi de préférence sur mon Instagram ou Facebook. Donc mes deux réseaux sociaux que je vous ai dit il y a quelques secondes, ils seront marqués en barre de description. Donc switchez la barre de description, regardez-la. Vous aurez aussi le nom de ma boutique, donc le lien de ma boutique en barre de description sous cette vidéo. Donc sinon, comme j'étais en train de le dire, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi me payer par chèque. Je n'accepte que deux modes de paiement sur ma boutique. Le seul paiement que j'accepte, c'est virement bancaire. Mais si vous voulez me commander à travers Instagram, Facebook, etc., vous pouvez me payer par chèque. Donc voilà, j'accepte aussi les chèques. Je n'accepte pas PayPal, je n'accepte pas le liquide et je n'accepte pas les autres modes de paiement. Excusez-moi, je suis malade. Alors voilà, du coup, pourquoi de préférence Instagram et Facebook pour ceux qui veulent me payer par chèque? Parce que je suis active sur Instagram, j'y vais tous les jours. Sur Snapchat, j'y vais plus. Sur Skype, c'est très rare aussi. Et sur Facebook, j'y vais de temps en temps, donc je suis active en message privé. Donc par rapport à toutes les coloris que j'ai, je vais vous en présenter quelques-unes de loin parce que là je suis très loin de ma caméra. Mais il faut savoir que toutes mes coloris sont sur ma boutique. Donc si vous voulez passer par Instagram ou Facebook pour me payer par chèque, allez avant sur ma boutique pour voir les teintes qui vous plaît. Et ensuite dites les teintes en message privé, soit Facebook ou via Instagram, pour les teintes que vous voulez m'acheter par chèque. Donc j'espère que je suis assez compréhensible par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en message privé Etsy. Par rapport donc Etsy sur ma boutique, ou si vous avez des questions, me les poser en commentaire. Ou peu importe, de toute façon j'ai d'autres réseaux sociaux que Facebook et Instagram. Donc pareil, tout ça aussi sera en barre de description. Donc déjà pour commencer, à chaque commande je mets une petite pancarte, donc en papier épais, avec quelques-uns de mes réseaux sociaux.
notamment YouTube, Snapchat et Facebook. Donc vous n'allez pas très bien voir la pancarte parce que bah, je suis très loin de la caméra. Derrière chaque pancarte, je mets un petit mot que je fais moi-même. Donc voilà, par exemple, là j'ai marqué « Merci pour ton achat », je peux marquer « Merci »,« Merci beaucoup », etc. Donc là j'ai quelques teintes beaucoup devant moi, mais le reste est dans ma chambre, donc j'ai mis ça dans une petite boîte. Donc toutes les paires sont emballées de sachets plastiques. Donc dans chaque sachet plastique, vous avez une petite pancarte en couleur derrière les yeux pour que ça fasse plus joli. Donc voilà à quoi ressemble mon packaging. Donc voilà, c'est du 13 mm. Toutes les informations à savoir à propos de mes yeux sont dans les descriptions des articles, des produits sur ma boutique Etsy. Donc surtout, encore une fois, je me répète, n'hésitez pas à aller voir ma boutique pour m'acheter. Je ne suis pas une arnaqueuse, je tiens à le préciser. J'ai effectué plus de 30, 40 ventes, etc. Donc vous pouvez avoir confiance. Et en plus de ça, je vous donne toutes les informations. Je ne vous laisse pas sans rien, donc je tenais aussi à vous le dire. Et si jamais je vois vos messages mais que je réponds pas, c'est que soit j'ai pas le temps, etc. Mais au moins 99% du temps, je vous réponds. Mais sachez que pour les coloris que je possède, j'ai au moins une couleur de chaque couleur. Donc doré, jaune, blanc, bleu, violet, etc. Et la mise au point, s'il te plaît. Bon, on dirait que mon appareil photo ne veut pas faire la mise au point. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les colorations une par une. Donc pour vous montrer quelques teintes. C'est dingue en fait, hein, mon appareil photo préfère faire la mise au point sur mon sapin. Je sais qu'il est très beau, mais quand même quoi. Donc vous avez du rouge, vous avez du violet. Là j'ai une paire de bleu. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir été assez claire. Encore une fois, checkez cette description de cette vidéo. Voilà, donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut !